Salut les amis, Pepsi et moi, on est ravis de vous retrouver. On espère que vous allez tous bien. Et aujourd'hui, on va démarrer une première petite vidéo d'une série sur les plantes qu'on peut trouver dans les bois et qui vont aussi bien nous permettre de, de se nourrir que de se soigner. Voilà, plusieurs abonnés m'ont fait la demande, donc je vous emmène avec moi et on va aller, on va aller crapahuter et voir ce qu'on peut trouver. Voilà. et bah écoutez, c'est parti, je vous emmène, on y va. Bon, ben il n'aura pas fallu marcher longtemps pour trouver déjà une plante très intéressante, à mon sens, qui est la vireuse. Alors, comme vous pouvez le voir, ça ressemble énormément aux laitues qu'on a l'habitude de trouver dans notre jardin, sauf que celle-ci est sauvage et qu'on peut la reconnaître grâce aux liserés rouges sur les feuilles. Alors, c'est une plante euh, comestible, hein. voilà, c'est comest tout à fait comestible, mais seulement les jeunes poussent euh, au milieu, car celles-ci vous rendront indigeste. Donc, euh, très riche en potassium, calcium, phosphore et magnésium. Voilà, C'est une plante très très intéressante euh, quand on n'a rien à manger dans la nature. On... Alors, elle est classée parmi les, les narcotiques, euh, donc elle crée des somnolences, mais en contrepartie, elle euh, peut combattre les douleurs. Vous pouvez en consommer pour la douleur, les troubles du sommeil, l'anxiété. Euh, alors, Moi, je vous conseille de faire sécher les, les feuilles pas les consommer comme en, comme en salade mais les faire sécher tout simplement et en mettre euh, une cuillère à café dans une infusion euh, n'abusez pas hein, mais voilà, malgré qu'elle soit narcotique elle n'est pas classée parmi les plantes illégales en France et elle est très très intéressante elle a été cultivée pendant des siècles et des siècles elle a même été utilisée en, en pharmacie euh, pour, euh, pour soigner euh, tout ce qui est dépression et tout ça Voilà. donc c'est une, une plante qu'on appelle biannuelle donc elle pousse, vous en trouvez, ben à cette époque de l'année, novembre-décembre. Et puis les graines, quand elle va mourir, les graines vont se planter, vont ressortir en juin. Et elle aime beaucoup les, les endroits, les friches. Par exemple, là, je suis dans une dans une coupe rase, qu'on appelle. C'est-à-dire que le propriétaire d'un bois a fait couper ses bois. Et il y a pas mal de, de bois pourris au, au sol. Donc euh, voilà, elle aime bien ces endroits-là. Voilà, première plante très, très intéressante, la laitue vireuse qui peut être consommé soit en salade les jeunes pousses, soit euh, en infusion pour traiter les troubles du sommeil, les anxiétés et les douleurs.